Salut YouTube, c'est Ayriz, ton youtubeur et streamer préféré. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, j'ai envie de faire une nouvelle série de joueurs qui ont des picks chelous, des stuffs chelous ou des sums chelous. Et enfin, c'est pas chelou, mais atypique du coup. Et au-dessus de diamants, donc des trucs qui peuvent être joués et tout par vous, par la communauté, qui peuvent être découverts par vous, un peu comme moi, Loup-Garou avec Warwick Top, Yumi Top, etc. Donc je suis très content aujourd'hui d'accueillir Yoko Hiro avec qui j'ai déjà fait un guide Malzahar et tout, et un guide Veigar. Et là il joue Malzahar Smite au mid, et il va nous expliquer pourquoi il joue cette technologie un peu chimique. Alors c'est un peu nouveau, il est en master etc, donc on va faire une game, enfin tu connais. Je suis avec tous mes sous du chat, bon ils sont un peu endormis, on est 130 aujourd'hui. On t'attend, rejoins-nous sur Twitch, on est bientôt 20 000. Si tu veux venir poser des questions, participer aux vidéos, passer dans les vidéos, voilà. Bonne vidéo BG, à la prochaine. Et tu auras tous les liens évidemment de Yoko Hiro dans la description. Du coup, au niveau des runes, maintenant tu joues quoi avec ton Malzahar? Oh le spellbook, il est ouais. Alors, on joue une spellbook maintenant sur Malzahar. Alors, la rune a toujours été ok, mais je crois même que dans le guide Malzahar, j'en avais un peu parlé du spellbook, mais que moi j'étais pas trop fan. Et en gros, le but du coup avec le spellbook, et c'est pour ça aussi qu'on joue Smite. C'est que ça permet de changer en fait en mid game le smite puisqu'il sert plus trop à grand chose par un autre summoner en fait, tu vois. Ok. Tu peux facilement changer sans cramer ton flash, tu vois. Ok. Ou alors maintenant ce qu'on fait, donc là c'est la technique où on joue cette rune quand on a un matchup qui est neutre ou difficile, tu vois. Ok. Ok. Je vais expliquer un peu en détail après, mais en gros après si t'es contre un matchup facile slash les corps à corps et tout, maintenant tu peux jouer first strike sur Malzahar. Oh ouais. En réalité c'est pas mal. La rune est trop forte aussi. Hein. Parce que ça permet d'accélérer en fait le. Bah en fait, le pour ceux qui savent pas, Malzahar, Malzahar c'est un perso, je pense c'est même un des match control les plus faibles du jeu en early. Vraiment, tu peux pas. Tu bats personne en early en fait. Le E fait pas de dégâts, ça coûte trop de points de mana et tout. Du coup, le first strike permet d'accélérer en fait ton late game, tu vois. Tu vas aller plus vite en late game. Et contre les persos qui sont cag, bah t'as pas trop de danger puisqu'ils sont encore à corps. Donc t'as juste à proc ton maladie et tu recules et tu gagnes des gold, tu vois. Ok, je vois, ouais. Ok. Et c'est pas mal aussi quand t'es le seul AP de ton équipe, parce qu'en gros tu fais 10% de dégâts supplémentaires, donc si tu pars vraiment full AP, tu fais vraiment des gros dégâts en vrai. Tu vois, donc c'est pas mal. Ok. Et du coup maintenant, est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi on joue le smite avec spellbook? Parce que déjà tu dois changer de sum tout le temps, donc t'es tranquille, je suppose. Donc ouais, déjà ça fait partie effectivement. Et pour les objectifs, tu surprends de ouf, non? Alors, projectif, c'est un petit plus, ouais. Parce que du coup, alors sauf si t'as un Nunu ou quoi, mais généralement, avec le jungler, tu vois, je lui précise que faut smite à peu près 1300, tu vois. Ce qui fait que techniquement, on peut pas se faire out smite. Et je me suis jamais fait out smite encore surtout, avec Malz, si le jungler comprend, tu vois. Surtout vu la méta actuelle, gros, c'est vraiment fort. Hein. Parce que t'as vu les Drake comme ils sont forts maintenant. Ils ont été up, ils ont plus de vie, mais ils ont des buffs plus importants, si je dis pas de conneries. Oui. J'ai passé ma journée à prendre tous les Drake avec Shyvana, j'ai fait que ça. Ah ouais? Ouais, j'ai fait que ça gros. Ah ouais, j'avoue qu'il y a Shyvana. Ben en fait, le truc c'est que. En fait, j'ai l'impression que les objectifs outscale maintenant les kills. Vraiment, honnêtement. Après, c'est à mon avis de low et low, mais gros, dès qu'on avait un Drake, la game elle était finie. Dis-toi qu'on a joué contre un Vladimir en 8-0 à 15 minutes. J'ai pris tous les Drake de la game, on a gagné sur ça. Après je me renseigne sur ce que je t'avoue j'ai pas trop lu le patch note. Enfin, moi je trouve ça très fort. Après peut-être ils disent de la merde et c'est juste qu'ils sont nuls en face, hein. C'est possible aussi. Je pense que t'as raison parce que j'avais vite fait lu hein, le patch note avant qu'il soit dans le live, tu vois. Et déjà j'avais vu que le buff des dragons était super intéressant parce qu'en vrai t'es pas si game breaker que ça, tu vois. Bah le truc c'est que là j'ai pris les deux Heralds, maintenant j'ai pris ouais. 600 gold, j'ai pris solo donc 600 gold plus les plagues du premier plus la T2. Ah ouais. Plus 4 Drake. Ça monte vite hein. Et là. C'est vrai que l'Herald maintenant donne des gueules dans local, non? C'est ouais, ça? Ouais, 300. Et tout, en fait, les joueurs laissent au jungler, donc tu prends tu fais un kill quoi. Tu prends un Herald, tu fais un kill. Ah, mais c'est trop bien. Pour les persos comme Shiv et tout, c'est pas mal. Ça fait avancer mon spike. Akeno qui me demande, tu peux demander à Yoko comment il fait pour être aussi beau de ma part. Voilà, merci Akeno. Ah, c'est des. c'est un secret de génération ça, génération. De la data, c'est de la data un peu secrète. De la data. Et alors du coup, alors pourquoi on joue le smite au mid? Il y a plusieurs raisons. En fait, tu peux pas jouer smite avec tous les persos, ok? Ouais. C'est typique à Malzahar parce qu'il y a un truc qui est super intéressant, c'est que tu peux augmenter la range du E de Malzahar avec le smite en fait.
Parce qu'en fait, tu mets ton E sur un sbire, tu le smite instant et ça va se proc du coup derrière la cible, tu vois. Et vu qu'avec Malzar en early, on est vraiment une chips. Ok, tu et que t'as pas envie de t'avancer, tu vois. Ok. Ça permet de poke et en vrai, en late game, ça peut aussi permettre de catch une cible, tu vois. Imaginons que t'as une armée, tu vois. Il y a 5 contre 5, ça va faire un teamfight. Ok. T'as la front qui s'avance et qui fait pas attention à ça, tu vois. Tu mets un E smite instant, il va être slow par le Riley et ta team attend de le rattraper, tu vois. Ok, bah écoute, tu vas me montrer ça en game. Hein. Oh, c'est une game. Attends, mais c'est un truc. Ah, c'est très sombre. Il n'y a pas que ça. Hein. Ah, ok. Il n'y a pas que ça. Il y a un autre truc aussi, c'est. Alors, ça, pareil, ça demande un peu de. Le jungler généralement comprend, mais parfois il ne comprend pas. En fait, le but, c'est que, comme j'ai expliqué, l'early de Malzar est compliqué. Et donc, ce qui fait que le farm en early est un peu hasardeux. Donc, déjà, ça permet de sécure certains sbires, notamment le canon en early. Ouais. C'est quand même cool de le sécure. Et autre chose qui est, je pense, le plus important, c'est qu'en gros, tu. Bah, généralement, tu te fais outtrade avec Malzar. Tu peux pas gagner l'early, c'est impossible. Donc, si tu perds de la vie, tu warp les corbins, tu utilises ton smite sur le gros corbin et ça te redonne à peu près 120 points de vie. Donc, c'est pas grave, tu vois. Ça te permet de sustain et de pouvoir stay sur la lane. Et... Oh, c'est une technologie très sombre par contre. Hein. C'est super sombre. Et tu le joues tout le temps maintenant ou t'adaptes quand même? En vrai, je m'adapte, mais je le joue, je pense, quasiment tout le temps. Bah, regarde, si je te montre mon historique. Là je l'ai joué en solo queue, c'est passé. Là je l'ai joué en solo queue, bon j'ai pas fait un bon score mais c'est passé aussi. Bon, après Malzar on te demande pas forcément d'avoir des bons scores en plus avec le champion, ça qui est... Oui clairement. Après là je devais faire un bon score parce que je jouais vraiment full AP tu vois. Okay. Donc j'étais pas utilitaire donc en vrai là j'ai fait juste une mauvaise game. Là j'ai joué smite, j'ai gagné, En vrai la plupart du temps que je joue c'est parce que j'estime que les conditions le permettent tu vois. Okay. Et juste c'est pas mal tu vois. Ok tu pars Ouh t'as un gros ATH par contre toi hein. Ça fait bizarre. Ah moi je suis myope donc si tu veux, si tu veux j'ai besoin de voir les choses en grand quoi. Merci Kitty pour le resub. Après j'ai un gros écran en vrai donc Un gros écran. Ah ouais elle est vénère la liaison. Ouais gros écran ouais. Ok donc, vas-y. Très important c'est de faire une danse tu vois. Ouais c'est important. Avec Malzar t'es obligé. Là, il y a un truc que je peux faire aussi, que j'ai oublié de préciser, c'est que je peux se mettre level 1 le camp de mon jungler, tu vois. Pour l'aider à aller plus vite. Ah ouais, c'est fine. En vrai, c'est marrant de jouer smite. Ouais, il y a la cavalerie qui arrive, là. Ah okay. Putain, heureusement que j'ai check, j'ai pas mon en smartcast. Mais tu sais qu'au mode, ça s'enlève ou pas, des fois? Non, moi, c'est juste que je joue Veigar, mais... Attends, ça te l'enlève tout seul? Gros, je te jure, le QZ tout à l'heure qui s'est enlevé. Infernal. Oh là, l'ami... Oh non, oh, ça c'est honteux ça. Oh, par contre, le dot que tu lui mets, gros, ça rend fou déjà. Ah ouais, mais je te jure, en vrai, ça fait pas si mal que ça. Hein. Juste, il a pris une auto avec et il a pris déjà quelques PV en moins. Des groupes, ouais, tu pars toujours cristal de mana maintenant ou t'as d'autres. Ouais, je pars tout le temps cristal de mana. En vrai, c'est trop fort. Attends, mais c'est un nouveau skin ça. Non? De quoi? De Malzar? Ouais, c'est pas un nouveau skin ça. Non, il est dead celui-là. Il est trop beau. C'est Worldbreaker. Mais il est trop beau. Ah ouais, je trouve objectivement que c'est le meilleur skin de Malz, tu vois. Bah, il est giga. Bon, en early, on va un peu chill. Sachant que le smite n'est pas tout le temps forcément utile, tu vois, mais ça permet, si tu veux, de sécuriser l'early si vraiment je suis en difficulté, tu vois. Ouais, c'est bien pour le gros canon, au moins t'es sûr de pas le rater, t'es chill. Exactement. Tout ça, ce que tu disais. Là, typiquement, tu vois, si je veux pas push contre Grace, tu vois, parce que s'il me freeze, je suis pas bien, quoi. Ouais, normal. Oh, les dégâts qu'il met, frère. Wow, c'est abusé, c'est un peu... Après j'ai mal joué, je me suis collé contre un mur, j'aurais pas dû. Après je t'avoue que les Gravenites j'en croise pas souvent quoi. C'est chiant. Hop là t'as plus pareil. Ça m'a... En fait tu vois ça paraît con mais là ça m'a permis de sécuriser en soi deux sbires, même pas un seul tu vois. Ok. Parce que en gros ça m'a permis de répondre à la maladie plus rapidement. Et mes bêtes faut changer l'aggro rapidement aussi tu vois. Ok je vois. Dommage que t'aies pas eu les sbires... Dommage, mais... Oh, il peut tellement se permettre de prendre des trades, c'est tellement chiant Graves, gros. Ça casse les couilles. Ah, mais c'est pas que Graves, hein. Je te jure que c'est Malzar overall. Vraiment, c'est le perso, il est très faible en early. Bah, ça et il peut faire ce qu'il veut. Hein. Ça t'apprend à accepter de perdre. Hein. Ouais, exactement. Bah, le but, c'est de scale, en fait, tu vois. Il y a Neo qui me dit, il est si vide le perso, j'ai envie de mourir. Après, en late, c'est pas la même. Hein. En mid late, c'est pas, c'est pas le même perso. À partir de quoi niveau... À partir de deux items, je dirais, après, non? Ouais, en vrai, déjà, rien que si j'ai Ariandry, déjà, je peux commencer à jouer, tu vois. Ok.
Ah, dommage. On a vraiment du Wukong récupère le kill. Il a mis un peu de temps le Wukong. Ok, fine, c'est bon. En vrai, c'est fine parce que le but, encore une fois, c'est de scale et que si... Attends, prends, faut qu'il push la ligne, le frérot. En fait, tu vois, vraiment, le but, c'est de chill. Là, je vais mettre une petite ward là, tu vois, comme ça. Si je suis en difficulté, ce qui va sûrement s'arriver, je pourrais aller smite le Corbin et juste rechercher le smite à travers en plus. Et oui, pas besoin de faire le grand tour. Oui, bah, je découvre des trucs. Je suis pas. Pas comme si c'était jungle, quoi. Oh, what the fuck, tu jouais un jungler, Iris? Ou what the fuck? Et oui, je suis un des seuls rôles du jeu qui porte les games, quoi. Après. Ouais, là. J'ose pas le canon. Ouais, tu peux pas rendre, tu peux crasher tes waves tellement vite, du coup. Et pourtant, Grace, c'est vrai. Non, oui, c'est vraiment mode push, tu vois, mais. Et là, on va juste jouer avec le fog tranquille. Hein. On va peut-être check si c'est le carap bot qui a été fait de la part des coups. Pareil, tu peux faire des carap super rapides si jamais t'as un carap. Je peux péter, ouais, en plus je peux péter le shit avec mon Q-spell. Echo bot. Ah, Pike, il va pas jouer là. Je pense que Pike, ouais. T'es fine en termes de forme. Je pense que le Pike est là. Oui, en vrai, je te dis vraiment avec Mal, c'est très dur de farm en early. Donc si j'arrive à égaliser un peu le farm, je suis fine, genre. On me dit qu'il y a une rune qui s'appelle Dématérialiseur de sbires. Qu'en penses-tu? Bah ouais. Oula, attends. Vas-y, concentre-toi. Hop là, petite esquive. Le dématérialiseur, je dis pas de conneries, c'est sur la même lignée que... Non mais par contre, c'est des forceurs, hein. Aïe. Évidemment, oh c'est calculé, hein. Wouah. Let's go. Du coup, le dématérialiseur, pourquoi il est pas rentable par rapport à un smite, par exemple? Bah parce que j'adore jouer Future Market, je trouve que la rune, elle est trop forte. Eh ouais, pour le spike. Alors bon, je peux le smite, et voilà, tac. Ouais, en plus, t'as aidé ton jungler et tu récupères des HP, ok. Alors clairement, j'aurais du back, tu vois. Là, en vrai, je peux essayer. Dans tous les cas, tant que t'as pas Liandry, ton champion, il est vraiment mauvais, quoi. Ah ouais, c'est... En vrai, c'est... les gens se rendent pas compte, mais Malzahar, en termes de scaling et d'early game mauvais, c'est pire que Veigar. Hein. Genre, tu vois, avec Veigar, tu peux faire un auto à auto, tu vois. Et ça fait proc l'élec à la limite, tu vois. Ouais. Mais avec Malzahar, t'as vraiment rien, quoi. Le perso, il est vide dans early. Après, tu formes bien là, enfin ça va en vrai. Tu. Ouais, je prends 7 CS, mais c'est la moyenne avec Mal, c'est pas giga grave, genre. Là, ça fait chier parce que c'est pas une wave canon, tu vois. Yukong et bot. Ce qui est bien, c'est que t'as pu vraiment t'en beaucoup plus la ligne vu que t'as récupéré énormément d'HP avec le smite. Ouais, en vrai, je vais grid un truc. J'ai pris clairvoyance, alors c'est rare que je le fasse. Ouais. Et on va juste un peu overstage, c'est au cas où Mathieu a besoin de prio, tu vois. Ok. Hop. Ça a l'air d'être fine. En vrai, ouais, c'est fine. En vrai, j'aurais pu prendre TP, tu vois, là. Il va sûrement cancel, ouais, ok. Lui, tu vois, il a plus de mana, du coup, je peux rendre ça. Et je suis revenu à full mana. Donc ça, c'est pas mal. Donc, Malzahar a des gros cons mana, ça paraît pas, mais... Après, par contre, parce que quand même pas mal demandant, hein. Le wave clear est vraiment, vraiment fine, en vrai. Bah, j'essaie pour reset la baladie, sinon je pouvais pas la reset, tu vois. Ok. Bah, c'est une wave canon, donc on va reset gentiment. Normalement, Graz aura pas le temps de la push parce qu'il est oum. C'est marrant de revoir ce non, non. Il a le temps de le push. Je pensais pas qu'il avait la queue du mana. T'es là depuis. T'es au mid depuis un quart d'heure, ça me fout droit. Ah, mais casse le couille aussi, il est censé reset le Graze. Après, t'es fine toi, ça te met bien en vrai. Oh, bien joué. Tu le tues, tu penses? Non, je le tue pas, mais. Y'a derrière mon équipe, tu vois. Peut-être qu'ils vont essayer de okay. faire un drake ou quoi. Et du coup, vu que j'ai la prio et qu'il a pas de TP, bah, ça permet. C'est toujours dans l'objectif, tu vois. Ok. Je le mets out de la lane, en plus je vais pouvoir push la lane, il va potentiellement perdre une wave, tu vois. Y'a Amnexo qui me demande pourquoi t'as Z après le R et pas Z avant. En vrai, je me rappelle plus de ce que j'ai fait exactement. T'as R et t'as pas envoyé tes sbires, quoi. En vrai, je t'avoue, je pense que j'ai un peu paniqué sur le mouvement parce qu'il restait vraiment une seconde sur la maladie, tu vois. Et en fait, je voulais absolument. Parce qu'en fait, l'ulti, ouais. Ceux qui savent pas, ça fait reset la maladie. Y'a pas que le Q-spell qui fait reset. Et du coup, je voulais absolument la faire reset. Là, je veux quoi conclure parce que je sais que ça va le tenter de me go in. J'ai eu Kong juste à côté. En plus, t'as bientôt ton passif. Ah, c'est trop facile pour lui de break ton passif. C'est vraiment, ça va être chiant pour toi. Ouais, c'est pas. En plus, ce qui est bien sur Grace, c'est que la QSS, c'est un item AD, tu vois. Ouais. Du coup, bah, pour lui, c'est pas trop droit dérangeant, tu vois. T'es bon, c'est tellement satisfaisant de te voir smite au mid. Ça me fait trop envie. C'est satisfaisant de ouf. Mais même en termes de farm, là, il est à combien, lui? Ouais, il est à peu près pareil, en vrai. En vrai, ça va, hein. Bah, si tu dis, ça, en vrai, normalement, Malzahar, le farm est ultra aléatoire parce que les bêtes et les maladies font des dégâts vraiment très minimes, tu vois.
Donc ça me permet de sécure. Avec le future market, en plus, ça te permet de prendre des spikes plus rapidement. Plus, c'est vraiment d'accélérer, ouais, c'est ça. Ah, par contre, elle va pas la bonne direction là, parce qu'il y a Grace qui va arriver à mettre un gros shotgun. Après, elle tempo tellement. Ah, c'est dommage, hein. C'était vraiment close. Oh. Ok. J'avoue, tu fais pas tant de dégâts que ça au final, pour l'instant. Ah, de toute façon, avec Spellbook, le but c'est pas de faire. Enfin, tu fais forcément moins de dégâts que si tu joues à Aerie, tu vois. Ou comment dire. Tu joues plus utilitaire en fait, tu vois. Ah, par contre, il veut que je boue, mais j'ai pas d'ulti, frérot. Hein. Compliqué pour moi de go là. Après, tranquille, là tu récupères du farm, là tu vas repasser devant le Graves, t'es chill. Ouais. Non, mais là je suis très très bien. Hein. Ouais, je sais, bah. T'es mort qu'une fois, t'as pris une assist, tu grattes ce qu'il y a à gratter, c'est fine, hein. Il devrait laisser le bleu là, il a un blue buff. Est-ce qu'il a envie de te le laisser? Je vais pouvoir smite le bleu, incroyable. Ça me sert incroyable. Tu sais que. Frère, t'as un blue buff. On peut lui laisser le choix, hein. Merde, tu lui. Non, ça va, je vais pas style. J'ai cru que je l'ai laissé. J'ai cru que t'avais style de groupe, moi aussi j'avais. J'allais me souhaiter ma mort. Merci Dalavius, merci beaucoup. Je croyais que t'avais lui style aussi. Merci XFN pour le follow. Ah, y a un truc marrant, je sais pas si tu savais, mais avec Malz, si je prends une plante explosive, je peux la passer sans souci. Ouais. Par contre, si c'est un allié ou un ennemi qui la proc et que je suis dessus, ça me fait pas bump. Ah ouais? Ça fait proc mon shield, ouais. Oh, c'est relou. J'avoue, c'est un peu chiant. En fait, c'est chiant et pas chiant à la fois. Parce que si c'est un adversaire, tu peux continuer à le tuer. Tu peux tellement qu'il revit encore plus avec le smite. Ah, j'ai smite, tu vois, et la maladie, c'est direct mis sur lui, tu vois. Parce qu'il était trop avancé. Ok. Il pensait que j'avais pas le temps de DPS sur Sbire, tu vois. Ah, c'est ça, la technique. C'est ça la technique en fait là. C'est là t'as smite. Ah, il dit. Ok. Voilà, c'est ça. Là, je pensais qu'on aurait pu le tuer, tu vois. Donc ça aurait pu servir, mais. Là, j'ai mon smite qui revient, donc j'ai le temps de swap. Et je vais juste TP back, comme ça, je leur donne une prio. C'est pas mal le spellbook du coup, là. Vraiment une value de fou. Hein. Par contre, le spellbook, je t'avoue qu'il m'a fallu un temps pour l'utiliser parce que la rune, elle est quand même très compliquée à utiliser, je trouve. Faut savoir quand utiliser ses summoners et tout. Par contre, là, tu vois, il faut pas qu'il me disrespecte trop le frérot parce que là, j'ai un Liandry, lui, il a pas grand chose. Ah, mais tu l'as fumé au final au mid là. J'essaie de le cancel, tu vois. Prends un petit couteau, c'est pas grave. Je le nique sa tempo, il a pas de mana. Il l'a expliqué pour copier au début. Au pire, tu regarderas la vidéo sur YouTube, BG. Ça fait plus de vues, évidemment. Hop, on reset la maladie. Ah, t'es bien, hein. Ah, tu le grattes tellement, t'es mal, regarde, bro, ça me fume. C'est ça que j'aime trop avec Malzar. C'est que tu fais rien et le mec il est en train de mourir tout seul, genre. Allez, bisous, tu meurs. Par contre, tu gardes tellement les prios pour ta team, c'est un truc de fou. Et tu as encore le cancel là? Ah, j'ai pas réussi à le. Ah, non, j'ai loupé. Mais bon, tu peux. Ah, tu vois, là, il y a la team qui a besoin d'aide, donc on va vite push mid et on va les décaler. Je voulais smite, je peux pas trop avancer là. Tu vois, il y a pas de camp, mais là, j'aurais bien voulu smite un camp pour régène, tu vois. T'es bien dans la game là en vrai? Ouais, là, je suis GK bien en vrai. Ce qui est marrant de se dire ça en étant 0-1, il y a les loups qui vont respawn donc je vais pouvoir les smite pour régène, vu que j'ai plus de potions. Mon équipe va pas jouer avec moi, normalement, ça devrait être fine. T'as quasiment smite. T'as eu la vie des Drake maintenant, gros, c'est infernal. Ah, mais je le fais pas tranquille, je smite juste. Il est sous tension le Yukonga. Ouais, c'est Yukuhiro avec moi, les gars. En vrai, ça te permet tellement de tempo la lane le smite du coup. Avec la régène. Tu vois, je prends la prio toute seule, j'ai besoin de rien faire. Ah, tu vas leur c'est un peu la merde là. Ah, dommage que t'aies pas de smite. Après c'est... le smite, peut-être le tuer lui. Il est mort, hein. Le pike est un peu rundown à te le sortir de la zone, non? Ah ouais. Elle est pas. Ouais, ok. En vrai, je peux récupérer. Le jungler qui est mort en fait. Tu peux récupérer Drake là, non? Pas nous aussi, mais. Ah, le Jinx. Aïe. Ils ont tellement trop. Ça fait n'importe quoi là. Tu l'as tué ou pas? Elle a pris la maladie ou pas? Elle a pas pris la maladie. FF! Ah putain, c'est dur. Bon, ah, t'as une équipe un peu random. Ouais, mais c'est fine, on scale, hein. Enfin, moi je scale, mais. Mais là, le fait que tes sbires récupèrent de l'XP sans toi, ça me termine. J'envoie la petite armée. Tu prends les gold, tu prends l'XP alors que t'es même pas sur la lane. En vrai, c'est pas mal. Ah, ça, c'est le principe de Malz, hein, en vrai. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est même un des rares persos qui peut faire ça. Peut-être Hummer, mais même Hummer, Mardinger. Quel champion de fou ça aussi. Ok, là, on start.
Tu vois, là, ils font Drake, je prends la prio. Ça me termine encore une wave au mid. Ça me terminerait que tu es out, Smite. Ils s'y attendent pas, je pense. No joke, hein. Tu sais que no joke, je pense qu'ils s'y attendent pas. Hein. Oula, bon, là, oh, là, c'est compliqué là. Ah, j'étais très mal positionné là, c'est my bad là. Ah, je voulais le 2 je voulais chill l'écho. Ah, dommage, je l'ai pas eu. C'est pas bon ça, par contre. Il faut juste se barrer. J'ai mis mes Z devant le Lucien pour que le Z de Jinx tank. Elle est gagnable pourtant encore la game là. Oh, oui, largement, il y a que 9-10. En plus, il va 3-10, puis j'ai un ulti. Ah, bah, alors je crois qu'il y avait une tour. Ouf. Oh, ah, je sais pas si je fais bulk. T'as pris double ulti, c'était réglé. Oh, elle va... oh bien oh, joué. Le pack bon. A bien joué. Ouais. Alors, en vrai, j'aurais pu air le écho, mais le problème c'est que. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui pensent que je peux juste ulti. Sans bouger. Mais en fait, le problème c'est que déjà quand j'ulti, je ne peux pas bouger. Et au moindre CC, mon ulti s'arrête et derrière moi je meurs en fait, tu vois. Ouais. Du coup, si j'ulti, il faut que je sois sûr que j'ai du backup. Et là, en l'occurrence, j'avais pas assez de backup. Quand même, c'est que la Jinx est vraiment faible là, c'est. Ça qui est hardcore. Après, moi j'ai pas un peu mon perso contre Jinx en plus, hein. Parce qu'elle peut. Elle peut me kite à l'infini ouais, sans que j'ai mon mot à dire, quoi. Après, si jamais sur un coup. Sur un spellbook avec Ghost, peut-être Ghost ouais, Flash. Ouais, j'en ai en plus. Tu peux avoir Ghost et Flash sur le même. Ça donne la vision à Dukong. Tu peux avoir Ghost et Flash avec Spellbook, on est d'accord? Oui, évidemment. Ça peut être pas mal. Hein. Faire des combos de malade. En vrai, peut-être une raid avec Dukong. La rune est incroyable en vrai, no joke. Hein. Ouais, la rune est vraiment cool à jouer. Vous voulez pas jouer les rades là, vu qu'il donne 300 gold maintenant? Ah, c'est vrai que c'est passé, putain. Et ouais. Ouais, il peut le jouer tout seul. Je vais reprendre Prio mid et je vais aller l'aider. Echo est bot, donc ça devrait être fine. Oui, après, peut-être de mauvaises analyses, hein, les gars. Je pose des questions juste. Ah, ça. La petite rade. Là, faut lui laisser les golds dans le local, voilà. Ça. Hop là, il a pris. Non, ouais, t'inquiète. Là, c'est 300 gold qu'il a pris. Oui, je te. Attends, in the pocket. Je te permets de donner mon avis, mais bon, je suis un peu mal placé. Excusez-moi. En vrai, il a pas mal, hein. Juste ulti la popi, la Jinx. Jinx. Nice. Ah, bien joué. Y'a une TP là. Ah, bon, elle se barre. Elle a compris qu'elle avait à faire. Ouais, c'est ça. Là, t'as fait ton taf. Ça y est, t'as ulti la Jinx. Toi, ils ont pas Jinx, ils ont pas grand chose en vrai. Après, le Graves est pas trop mal, mais. Tu le mets quand même petit level au Graves, hein. Ah, j'avoue qu'en vrai. Après, Graves, il est. En vrai, mine de rien, il prend pas beaucoup d'XP tout à l'heure. Hein. Il est que groupé, tu vois. Donc, il est cher l'XP et. Moi j'ai mes bêtes qui farm, oh, on peut prendre la T2 je pense. Non Nota, mais je sais qu'il y a eu des games de merde. Je vais m'en tirer aller là-dessus. Attention l'outil Jinx. Là à partir de là tu vas commencer à te régaler je pense. Riley, tu fais quoi en troisième? En troisième? Ouais. Ça varie vraiment au niveau des games tu vois. Mais là dans cette game... En vrai je pense que je vais faire un peu le kamikaze donc je vais sûrement jouer Zonia en vrai. Ok. J'ai l'impression que je vais me faire pas mal focus en vrai, je sais pas pourquoi je le sens. Tu casses les couilles à tout le monde, c'est pour ça. En vrai, attends, je réfléchis ce que je peux faire. En vrai, Malzar, il y a beaucoup d'optimisation qui est possible. Là, je peux faire Demonic Embrace, je peux faire un Voice Staff, je peux faire Demonic Embrace, ça se joue aussi sur... En vrai, oh, la value du Demonic Embrace, ouais, tu dois te régaler. Ah mais oui, mais c'est pas considéré comme un distance, Malzar, c'est un corps à corps. Malzar, si, c'est un distance. Ah, c'est un distance, ok, je dis de la merde. Ouais. Ah bah non. Parce que je mets des autos à distance et tout. Ouais, je suis con, je suis de la merde. Pff, je suis fatigué, excuse-moi. Moi, je suis de la merde. Ah, t'inquiète. Parce que le problème du démonique, c'est que c'est pas ouf sur les persos distance. Bon, en vrai, sur Malzar, c'est fine. Honnêtement, c'est. Parce que tu fais beaucoup d'items de vie sur Malzar. Ouais. Donc, déjà, t'as le bonus. Bon, c'est, même si c'est ridicule, hein, mais ça donne un peu plus d'AP flat. Et vu que t'as un bot quand même qui est très long. Et tu peux refresh en plus, donc Après là, y'a pas vraiment de personne avec des HP, donc là je vais pas faire de mes cambres clairement. Oui, non, ça se joue contre les tanks. Là y aurait beaucoup... Oula, j'ai pas vu le Graves. Ça veut go sur le Graves, ok. Ouais, il s'agit d'un truc, ok. Allez, grab-le. Ah, le R, il est immonde, hein, vraiment, on va pas se mentir. Bon, elle le tue pas là. L'ulti de Pike était catastrophique. En fait, tu vois, là, j'aurais pu faire le E et le Z aussi, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque qu'il flash ou qu'il y a un mec qui vient l'aider ou quoi, tu vois. Ouais. J'ai pas le temps, en fait, de mettre mes sorts, tu vois. Bon, le Pike, il arrête son ulti.
Ouais, ouais, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas le blâme alors que j'ai fait un teamfight tout à l'heure qui était dégueulasse, quoi, tu vois. Ouais, ok. Non, mais c'est une question. Un peu, peut-être il avait pas de timer, je sais pas. Bon, entre là, ouais, ils ont le Drake. Là, je peux pas trop. Là, tu vois, même si j'avais un smite, je peux pas trop contester là. Ah, c'est dommage, Camber en 1v1, elle. Elle est en 2. Ah ouais. Ah ouais, putain. Non, elle est en 2v1. Attends, pourquoi il y avait les. Ok. Ouais, là, je vais les side, hein. J'espère juste qu'ils vont pas fight, quoi. Après, tu peux speed push de ouf avec Malzahar, t'es tranquille. Ouais, bah, c'est un très, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un très très bon dueliste, quoi. Avec Malz, juste, tu... j'ai pas de TP. Avec Malz, tu joues comment spellbook, tu prends quoi en général comme spell? Bah, Ghost, vraiment, je pense que c'est le meilleur. TP qui est bien aussi. Exo, ce qui est pas dégueu non plus, parce que tu le tues un mec, il va essayer de te péter des dégâts après. Donc, tu peux l'exo juste après. T'as quoi d'autre qui est cool là? La clairvoyance, comme j'expliquais, parce que t'as quand même un gros manque de mana en early. Et sinon, attends, on va voir ensemble. L'ignite est pas mauvaise. Puis le reste, je pense, c'est pas ouf. Genre, barrière, c'est pas dingue. Ah, mais une fois que t'en as pris un, tu peux pas le reprendre, c'est ça? Alors, si, mais il faut que tu fasses une rotation de 6 spells. Ah, ok. Ok, ok. Parce que moi, je connais pas très bien. Non, t'inquiète. Par contre, tu peux, au bout de 4 spells utilisés, tu peux commencer à réutiliser les premiers que t'as utilisés, tu vois. Ok. Ouais, mais c'est au bout de 6 spells que tu peux bien les réutiliser, on va dire. C'est sympa comme rune, en vrai. Après, c'est très technique, mais c'est vraiment sympa. Ouais. Là, je prends l'exhaust, là, parce que je sens que la Jinx, ça va casser les couilles. Là, elle est tellement bien dans la game, là, la Jinx. Oh, lui, il te veut. Je vois rien. Ok. Ah mais attends, mais là t'es en train de les niquer là, de loin. Ouais, c'est un peu, ça. Ouais. Ouais, t'es pas si mal là. Dink, je sais pas si t'as vu les dégâts que j'ai mis, elle était full life là. Elle a pris 4 bêtes dans la gueule. Attention les jeunes. Là, elle fait un gros travail la Poppy en vrai. Ah par contre là. Aïe, ouais. C'est bon, ça passe. Ouais, bah après là tu t'es obligé de laisser la tour. Ouais. Ah là je peux pas. C'est toi qui l'exhaust? Ah, c'est pas moi. Moi j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Ouah, ça, là ça clique un peu quand même. Ça joue vraiment aux limites. Y'a Poppy derrière, j'ai pas vu. Oh Poppy! Y'a Jinx qui va essayer de turn, je pense, sur nous deux. Elle a trop bien joué. Oh, Lucina a trop bien joué. Ah, Poppy a bien joué aussi. On peut nage là-dessus. Bah, vous avez... là vous gagnez peut-être que la game sur ça. Hein. Ah ouais, c'est cool quand stream la game soit aussi close. Y'a pas mal qui troll. Elle est trop intéressante. Gros, la game est super intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais elle est super super intéressante la game. Ils veulent faire le nage du coup, hein. Oh, ça se tente, hein. Non, ils veulent pas. Bon, tant pis. Après là, ouais. Parce que le call, effectivement, est dingue, mais je sais pas, il y avait un. L'équipe avait l'air de se chauffer, c'est pour ça. Alors, non, grimpe pas. Oh, la game, elle est trop cool. Pas fait la Camille. Et encore, j'ai pas très bien joué, tu vois. Le nouveau Drake là, sur Echo. C'était pas si bien joué que ça. Ça va, Néo, on a compris pour le perso, frérot. Merci. J'ai mieux le temps, ça peut jouer. La Poppy fait un très gros travail. Ah ouais, de fou. Oh, bien joué. Ah, c'est pas fou, hein. Par contre, tu le tabasses, gros. Ce que tu fais. Ultime, mais bon, c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Oh, le mauvais fight. En fait, elle le. Ah! Slow là, putain! Ah, là c'était vraiment compliqué. C'est dommage parce que vous faites vraiment des mauvais. Enfin, c'est quand je dis vous, ouais, pas toi, mais. Y a... La team fait vraiment pas des bons fights. Hein. Après, là, ils sont allés un peu deep, tu vois. J'essaie de les follow, mais c'est compliqué, quoi. Ouais, j'étais sûr qu'ils allaient arriver, les autres, en légende. Bah, en fait, tu vois, je sais pas si t'as vu, mais ils ont focus quelqu'un là. Moi, j'ai mis un Q-spell là parce qu'on n'a pas la vision. Et j'étais sûr qu'il y avait du renfort, tu vois. Elle a tué la Jinx, là, ouais, bon. On essaie de poke un peu, mais bon. En vrai, compliqué, hein. Ils vont le buy le pullback, évidemment. Oh, du con. Let's go. C'est bien joué, là, ce qu'il a fait. Vous avez combien de drakes? Vous en avez deux, non, du coup? Surtout vu la value des drakes, maintenant.
Non, il a bien joué, c'est fine. Ah, clairement, c'est fine. Hein. Oula, je suis peut-être un peu avancé là. Là, faut que vous temporisiez le Nash, de toute façon. Exactement. Là, faut qu'on turtle. Bienvenue à toi, chouchou. Bienvenue à vous, les gars. N'hésitez pas au follow, celui qui fait la chaîne. Et après, on fait le nouveau stuff Senna avec un GM700. Ouh, wow. Oh, ça fait beaucoup là. En vrai, je voulais flash, mais je me suis dit. Ah, je sais pas. Je pensais pas qu'ils auraient pu dive, mais je t'avoue que ouais, voilà. C'est le top de l'opin. Je m'attendais pas que Echo joue Shemtech là, ça m'a un peu surpris, Shemtank là. Il y a un monde où on peut comeback, tu vois. Voilà, après, ils ont l'air de finir la game, donc c'est un peu embêtant, mais. En 40, on les fève pas ça, hein. Ils veulent vraiment finir là. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ah, j'ai l'impression, hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je suis à la base, frère. Non. Ah, le retour. Oh putain. Ah, je pense que là, par contre, ouais. Bon. Non, ils finissent. Ah, c'est dégueulasse. Ah, dommage. Aïe aïe aïe, elle est dure. Ah, ouais, ils ont fait un autoroute. Genre. Ah, c'est trop dommage. Après, la game était intéressante. On a vu pourquoi tu le jouais. T'as expliqué toutes les situations. On a vu à quoi servait. Tu l'as utilisé plusieurs fois, du coup, le smite sur le sbire pour. Ouais, le... clairement. En arrière, non, c'est pas mal.